Salut tout le monde, c'est Dessy. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'ouverture donc qui se passera sur le display d'origine antique. Donc ce sera la dernière partie. Normalement il y avait deux autres parties qui étaient prévues, donc la cinquième et la sixième. Mais finalement il n'y aura pas de sixième parce que six parties pour ouvrir un display c'est un petit peu long. On avait parlé avec Keios et finalement on a décidé que là ça se terminerait directement avec la cinquième partie parce que sinon c'est vraiment trop long. Donc du coup celui-là va se terminer aujourd'hui. Et pour les autres displays à venir, ce sera la même chose en fait. Ce sera plus court, ça va pas se faire en 6 parties ou 5 parties. Normalement on va le faire en, je sais plus ce qu'on avait dit, 4 parties ou un truc comme ça. Donc ce sera beaucoup plus rapide que là quoi en fait. On va prendre un booster, on va prendre le premier et on va pas... Bon, je vais pousser en même temps le display, comme ça au moins ça va pas me gêner. On va tout de suite commencer. Le code, comme d'habitude. 1, 2, 3. Et c'est parti. Alors, Porygon 2, une énergie spéciale, jolie flore, je dis rien, Evoli, Misterbe, Apitrini, Sepiatop, Pyrax, entrée antique et reverse. Et on va terminer encore avec une carte très antique qui est Apirène. Bon, par contre, cette fois, j'espère vraiment que j'aurai plus de chance que la troisième et quatrième partie parce que là, j'étais vraiment maudite. J'avais rien du tout d'origine antique et j'étais vraiment dégoûtée. En fait, il n'y a que Keios qui a eu quelque chose et moi, j'en fous rien. Et d'habitude, sur cette série, c'est toujours moi qui ai de la chance, donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc je croise les doigts. Voilà donc. Alors, ville abandonnée, une énergie spéciale, Apirène, Porygon, Golemastock, Sepiatop, Misterbe, Terral, Porygon 2 en reverse. Et toujours pas de chance. Toujours pas de chance. Et Régis. Troisième booster, je vais ouvrir devant vous parce que sinon ça va pas le faire. Le petit code. 1, 2, 3. Pas que je me trompe parce que parfois je me gourre. Alors, Misty Maniac. J'ai toujours du mal à le dire. Ortide, lien spirituel tyrannocif, Mimigal, Magikarp, je dis toujours rien, Zarbi, Persian, Doudouvet en reverse, qui est tout mignon, et ouais celui-là il me suit aussi tout le temps, je tombe tout le temps sur lui à chaque fois dans la série, donc qui est Métallos en très antique, je suis un peu abonnée. J'espère que je vais pas avoir que ça quand même. Parce que sinon là je suis vraiment maudite. Hein. Alors, encore un lien spirituel tiré à nocif. Ça doit être un signe, hein, c'est pour ça. Ténéfix, Métang, Marest, Doudouvet, Balbuto. Tiens, alors voilà celui-là. La dernière fois, je tombais tout le temps sur lui. C'était vraiment énervant. Donc, entrée antique, Zarbi, Terral, une énergie spéciale, donc en reverse. Et ça y est, j'ai enfin de la chance. Bon, je vais vous faire plaisir, hein, pour une fois, je vais pas la laisser de côté, on va directement la découvrir. Donc, ça va être, je vois pas le numéro, je vois rien, j'ai ma main qui cache tout. C'est quoi, là, numéro 7 ? Ah, c'est Dianco. Elle est trop mignonne. Bon, ça y est, je suis contente. J'ai enfin une carte. Ça y est. Oh, punaise. Sérieux, ce qu'il faut pas faire. Sérieux, quoi. C'est à la dernière partie que j'ai enfin une carte. Enfin. Je rêve. Alors, on va passer au
C'est le combien de boosters que j'ouvre? Attendez. 1, 2, 3, 4. Là, c'est le cinquième. Hop, hop, hop. Voilà. 1, 2, 3. Ça y est, quoi. J'ai enfin une carte. J'y crois pas. Alors, commence mal. Lysandre, Apirène, lien spirituel Faramp, ça aussi ça doit être encore un signe. Tarsal, Pyronille, Golemastoc, Axoloto, Terral, Kaorin en reverse. Et on finit encore avec un trait antique qui est Pyrax. Bon, que j'aime bien aussi, mais bon, voilà quoi. Et donc là, on aura terminé la première partie, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, du display. Après, on pourra passer à la deuxième. Et on commence avec Aquali, que j'adore. Rouleau à peinture, Migalos, Balduto, encore une fois, Porygon, Evoli, Miaouss, Reliquant et Apitrini en reverse et Rafflesia. Bon, alors on va terminer avec la deuxième partie. Je vais tout de suite les sortir. Voilà. Donc, 6 boosters. On a déjà fait la moitié. Donc ça, bah, normalement, ça aurait dû être la cinquième partie. Donc bah, là, ça fait maintenant la sixième. Donc en fait, j'aurais quand même eu de la chance. Si j'avais fait la cinquième, j'aurais eu Dianco. Et on commence avec Ténéfix, Casque Chance, Motisma, Misterbe, Tarsal, Golemastoc, Marest, Doudouvet, Forêt des Plantes Géantes en reverse. Et on termine... Ah, elle est belle. Bon, elle est holo, mais je la trouve vraiment jolie. Elle est vraiment mignonne comme carte. Donc, c'est Pyrax. Il est trop chou. Trop, trop chou. Et on passe au booster suivant. Hop là. Le code, hein, comme d'habitude. On change pas. Et c'est parti, donc jolie flore, une énergie spéciale, j'ai l'impression de dire que énergie spéciale depuis tout à l'heure. Porygon 2, Pyronille, Minigal, Golemastoc, ouais ça aussi j'ai l'impression de dire que ça depuis le début. Porygon, Sepiatros, Gardevoir en reverse, pardon, qui est trop trop belle et elle existe aussi en holo et elle est aussi très très jolie. Et on va terminer avec Léviator. Bon, au moins pour l'instant, ça va. Et merde, je suis désolée. C'est pas possible, je suis maudite. Non. Pourquoi est-ce que je la fais toujours tomber, quoi? C'est pas possible. Donc, je suis désolée. Donc vous êtes tombé encore une fois. Je sais pas ce que j'ai, hein, mais à chaque vidéo, faut que j'essaye de recadrer tout ça maintenant. Mais en fait, à chaque vidéo, bah, je vous fais tomber. Donc bon, je l'avais déjà dit, mais je crois vraiment que ça va être un rituel. En fait, à chaque vidéo, pouf, caméra. Je sais pas où est-ce que vous avez atterri, ni ce que vous avez pu voir. Peut-être la salle à manger, j'en sais rien, mais tant pis. 3 ou au pire vous avez peut-être pris de la. Alors, et donc on repart avec Top Dresser, Motisma, Lien Spirituel Junko, Tarsal, Misterbe, Evoli, Doudouvet, Reliquant, Migalos, et bon bah là en fait je viens de vous spoiler et puis bah moi avec. Parce que j'ai tiré un petit peu trop fort sur les cartes. Donc voilà, donc il s'agit de Léviator. Bon, qui est très belle. Hein. Je vais aussi la mettre sous protect. Quand j'arriverai à l'attraper. Parce que maintenant, elle s'est scotchée au truc.
Voilà. Et voilà. Ça y est. On va les remettre bien droite parce que je crois qu'elles ont pris aussi un coup quand j'ai fait tomber la caméra. Donc après, il nous restera encore deux boosters. Bon, bah d'accord. Ça c'est fait. Donc là, on va se dépêcher. Le petit code. 1, 2, 3. Ah bah, encore un lien spirituel tyrannosif, hein, décidément. Tenefix, Metang, Sepia Top, Zarbi, que j'avais pas enlevé. Evoli, Persian, je dis toujours rien, vous savez pourquoi. Registeel et... Ah bah, la même chose. Et maintenant, c'est l'avant-dernier booster. Pour l'instant, ça va, je peux pas me plaindre. Voilà, donc Ville abandonnée, Pyroli, Lissandre, Golemastoc, Porygon, Sepiatros, Misterbe, Miaous, je vais y arriver. Énergie spéciale. Et non, toujours pas. Et on va finir avec un trait antique qui est Golemastoc. Dernier booster, ça y est. Je l'ai trop mal ouvert. Catastrophe. 1, 2, 3. Voilà. Donc alors, Tenefix, Lissandre. Je recadre un petit peu. Aquali, Persian, Porygon, Pyronie, Gringolem, Apitrini, Muplodocus en reverse. Et ah, ça y est, il y en a encore une autre. Enfin, encore, je suis contente, hein. C'est la 36. Enfin, vous le voyez peut-être mieux que moi, mais. Mais moi, en fait, je fais un peu de l'ombre avec ma main, alors c'est un peu chiant. Ouais, je crois que c'est le 36. C'est tellement... En fait, avec la brillance, parfois, on voit pas toujours le numéro. Et donc, c'est... Ah, elle est trop belle, celle-là, ou pas. Elle est trop jolie. Elle est magnifique. Ah, bah là, franchement... Ça, c'est une bonne ouverture. C'est beaucoup mieux que la troisième et quatrième partie que j'avais eue où j'étais vraiment mais trop dégoûtée. C'était une catastrophe, j'avais rien du tout. J'étais même obligée de piquer des boosters, hein, donc j'en étais vraiment réduite à ce point-là. Ah, attendez, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Voilà, comme ça vous les voyez mieux. Donc voilà, bah franchement, pour moi c'était une super ouverture de The X. Bon, je parle pas de ces deux-là, mais voilà, pour moi, le principal... Bon, oh, partez. Voilà. Voilà, pour moi, le principal, c'est vraiment ces deux-là. Elles sont vraiment mais magnifiques. Il y en a encore qui sont très belles dans la série Origine Antique et qu'on aime beaucoup. Je crois qu'on ne l'a pas tout à fait complétée. Ou alors, c'est celle-là qu'on a complétée, c'est passé. Oh, je sais plus, j'en sais rien. Je ne sais plus, on a tellement de classeurs en plus. Enfin, je sais même plus ce qu'on a et ce qu'on a plus. Je me mélange et il y a tellement de séries dans Pokémon, j'arrive même plus à savoir les séries qu'on a de complètes et qu'on a d'entamées. Enfin, bref. Donc, du coup, voilà. Donc, on va quand même remettre ces deux-là parce que je suis aussi contente de les avoir. Donc voilà. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis à laisser un commentaire, à vraiment partager vos impressions, ce que vous avez pensé de la vidéo, tout ça. Enfin, voilà, changez pas, faites comme d'habitude. Et puis, bah, nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!